bien Yahweh. 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 Nilikusikia sasa nakuona weni yawe weni yawe weni yawe tuale tuelekas weni yawe weni yawe. Merci pour ce soir. Asante kwa ajili ya jioni Bwana. Merci pour tes serviteurs, tes servantes. Asante kwa ajili ya watumishi na wajakazi wako. Agree ces instants au Dieu. Wendo kakubali muda huu Bwana. Trouve gloire en tous égards. Na wendo kachukue utukufu ngambo zote. Dans le nom de Jésus. Ni kwa jina la Yesu. Nous t'acclamons Seigneur. Tunakushangilia Bwana. Poussons des cris de joie devant toi. Tunapiga kelele za furaha mbele zako. Amen. Alors tu salues deux trois personnes à tes côtés, dis bienvenue dans cette dernière semaine de notre programme. Salimu watu mbili ya matatu pembeni yako waambie karibu ndani ya wiki hii ya mwisho ya maji ya vilindi. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui est en train de commencer le programme aujourd'hui? La semaine passée tu n'étais pas là. Kuna mtu ambaye anaanza mpango leo, wiki jana haukua? Nous pouvons t'accueillir. Ah, levez-moi, je veux vous voir. Oh, acclamons ces bien-aimés. Soyez les bienvenus. Karibu kwenu. Et que Dieu vous donne votre part. Na cha Mungu awape sehemu yenu. Il est fidèle. Yeye ni mwaminifu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de quatre mystères attachés à une vie qui compte devant le Seigneur. Nous avons parlé du mystère de l'identité. Hier, nous avons essayé de parler du mystère de la direction. Et aujourd'hui, je voudrais parler du troisième mystère que j'appelle le mystère de l'onction divine. Le mystère de l'onction divine. Alors dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin de l'onction pour mener une vie qui compte devant Dieu. Prêche avec moi, ne sois pas trop sérieux comme ça. Tu exprimes ta foi, tu lui dis, tu as besoin de l'onction. Est-ce qu'on t'a dit? Si quelqu'un ne t'a pas dit, c'est qu'il ne croit pas à ta grandeur ou à l'utilité de ta vie. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de mener une vie qui compte devant le Seigneur? Y a-t-il ce soir quelqu'un qui soupire auprès de mener une vie qui compte? Tu peux l'exprimer par une grande acclamation devant le Seigneur. Et tu es en train de confesser que ma vie va compter. Je n'occupe pas inutilement la terre. Ma vie compte. Et ma vie doit compter. Alléluia. Amen. Nous lisons dans le livre de Luc notre verset clé que nous sommes en train de parcourir, le baptême de Jésus. Luc chapitre 3, 21 à 22. Luc chapitre 3, 21, voire même 23. Luka sura 3, mstari wa 21 hadi 23. Tusome kwa jina la Yesu. Watu wale wote walipobatizwa, Yesu akabatizwa vile vile. Alipokuwa akiomba, mbingu zikafunguka, na Roho Mtakatifu akashuka juu yake katika hali ya kimwili, kwa mfano wa njiwa. Na sauti ikasikilika toka mbinguni ikisema, wewe ndiwe mwana wangu mpendwa, ninayependezwa sana naye. Wakati Yesu alipoanza kazi yake, alikuwa na umri wa miaka yapata 30. Yeye alizaniwa kuwa mwana wa Yusufu. Amina. Alors chapitre 4 le premier verset. Sura 4 mstari wake wa kwanza. Luke toujours premier. Luka tu mstari wake wa kwanza. Neno la Mungu linasema, Yesu akarudia toka kwenye mto Yordani akijazwa na Roho. Na Roho huyo akamuongoza kwenda katika jangwa. Amina. Au même chapitre, le verset 14. Kumi na ine. Yesu akarudia Galilaya akijazwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. Na habari zake zikaenea fasi zote katika pande zile. Amina. Amen.
Et on peut lire le verset 20. Je voudrais que nous puissions lire là ça ensemble. Ningependa tusome pamoja shairi la 20. Il dit 1, 2, 3. Moja, mbili, tatu, ishirini. Ensuite, un remis au serviteur. S'assit. Ce qui se trouvait dans la synagogue avait le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, quoi? Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. J'étais en train de dire que l'onction du Seigneur est sur moi. Alikuwa anasema kwamba upako wa Mungu ni juu yangu. C'est accompli. Na anasema umetimilika. Alors prophétise, dis à celui qui est à côté de toi, cette parole va s'accomplir dans ma vie ce soir. Tabiri anayekuwa pembeni yako muambie kwamba neno hili litatimilika jioni ya leo juu ya maisha yako. C'est par la foi. Tu vois les choses de Dieu marchent comme ça par. Uifanye kwa imani, maneno ya Mungu yanatembea hivi. Rassure-toi que tu as déclaré cela que ce soir l'onction va me rencontrer. Hakikisha kwamba umetangaza kwamba upako utamkuta jioni ya leo. Dans le développement du message, tu vas comprendre qu'on en a besoin vraiment. Tunapoingia undani ndani wa ujumbe utaelewa ya kwamba tunahitaji kabisa. Parce que l'onction divine ce n'est pas, comment je vais dire, c'est un besoin. Sababu upako wa Mungu ni hitaji kabisa. On en a besoin. Tunahitaji. Ce n'est pas un slogan. Haiko tu maneno. 1 Samuel chapitre 10. Samueli wa kwanza sura 10. 1 à 8. Moja hadi nane. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tchelchak. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne passe plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, tu arriveras aux chênes de Tchabo, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un trois chevreaux et l'autre trois gâteaux de pain. Et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où tu trouveras une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédée du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe. Et prophétisant eux-mêmes, l'Esprit de Dieu te saisira. Tu prophétiseras avec eux. J'aime, tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé à un autre homme. Et il ajoute, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais tout ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Seigneur, bénis cette portion des Saintes Écritures. Et glorifie Christ au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le mystère de l'onction divine. Siri ya upako wa Mungu. Dis avec moi le mystère de l'onction divine. Je vais commencer par ces trois postulats. À disant qu'il est impossible d'être ou de mener une vie utile à Dieu sans avoir la dotation de Dieu. Il est impossible de mener une vie qui compte devant le Seigneur sans une dotation qui vient de Dieu lui-même. Ceux qui ont été utiles depuis le début ont eu besoin de la dotation divine. Tu ne peux pas plaire à Dieu sans avoir la chose de Dieu en toi. Alléluia. Amen.
La deuxième chose ou vérité qu'il faut connaître, ukweli wa pili ambao yapaswa kujua, l'utilité pour un homme de Dieu mafaa kwa ajili ya mtu wa Mungu ne s'arrête pas aux résultats visibles. Haisie kwa matokeo inayoonekana. Non. Hapana. Dieu n'est pas derrière nos exploits. Mungu haiko nyuma ya mastaajabu. Il est écrit, imeandikwa, qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Psaume 74. Mungu tutafanya mastaajabu. Hapa ni Zaburi. Tous ceux qui marchent avec le Seigneur, wote wanaotembea pamoja na Mungu, tôt ou tard, iwe mbele ama nyuma, ils finissent par vivre des exploits. Wanafikia kwa mwisho kuishi mastaajabu. Même quand une partie de malheur peut arriver, hata wakati ole yaweza kufika, ils finissent par dire, Seigneur, kwa mwisho wanafikia wakisema, Bwana, tu es fidèle. Wewe ni mwaminifu. Hallelujah. Amen. Alors, quand il s'agit de faire les exploits, sasa wakati unafanya mastaajabu, parfois nous noyons dans les exploits. Mara tunazama ndani ya mastaajabu hayo. Et nous sommes en train d'estimer que ceux qui font les exploits, na tunafikiria kwamba wanaofanya mastaajabu, sont ceux qui sont utiles à Dieu. Wao ndio waliona mafaa mbele za Mungu. Ou ceux qui c'est dans la vie compte devant le Seigneur. Oh, wow, ndio maisha yao yanasamani mbele za Mungu. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, lakini wapenda wangu ce soir, jioni ya leo, Dieu voudrait attirer notre attention. Mungu angependa tulete. Pour dire attention, tutazame tuone kwa vous allez être élevé. Mtainuliwa hakika. Vous allez faire des exploits. Mtafanya mastaajabu. Vous allez accomplir des grandes choses. Mtafanya vitu vikubwa. Mais ce qui m'intéresse n'est pas ce que vous réalisez. Lakini inayonihusu mimi sio ile mnayoifanya. Ce qui m'intéresse c'est la force avec laquelle vous réalisez ces choses. Ninayoitazama ni nguvu ambayo mnaifanya kupitia nayo vitu hivyo. Si l'onction divine n'est pas derrière nos exploits, kama upako wa Mungu hauko nyuma ya mastaajabu yetu, nous ne sommes pas en train d'avoir une vie qui compte devant le Seigneur. Hatuna maisha iliona samani mbele za Bwana. Vous savez, tout le monde peut réussir. Unajua kila mtu anaweza kufaulu. La différence entre les réussites na utofauti kati ya kufaulu est cachée derrière la source des réussites. Unafichwa nyuma ya chemchemu ya kufaulu huo. On peut avoir tous les bagues. Sote tunaweza kuwa na mapete. Mais comment tu as porté ces bagues? Lakini namna gani umevaa pete hiyo? Quelqu'un d'autre a porté les bagues devant l'église. Kuna mmoja amevaa pete mbele ya kanisa. Toi, tu as fait porter ça au bar. Lakini wewe umekuvalisha nayo ndani ya kilabu. C'est pas la même chose. Si jambo moja. Même si on fait des enfants. Hata kama sote tunazaa watoto. Même si on vient à l'église avec des habits qui se ressemblent. Hata kama sote tunakuja kanisani na mavazi yanayofanana. On peut avoir une église remplie. Tunaweza kuona kanisa inayojaa. Mais c'est pas la même chose. Lakini haiko jambo moja. Dieu n'est pas derrière la foule. Mungu haiko nyuma ya umati. Mais après avoir vu la foule, lakini zaidi ya kuona, il s'intéresse aussi à la cause de cette foule. Anaangalia sababu ya hawa watu. Il dit, anasema, qu'est-ce qui fait que ces gens soient là? Nini yafanya kwamba hawa watu wapo? Je suis en train de dire que la force vitale qui doit être la source de nos exploits, ça s'appelle l'onction divine. Si vous réussissez, ça la dotation de Dieu. Cette réussite ne compte pas devant Dieu. Tout n'est pas victoire devant le Seigneur. Hier j'ai atterri. Pour ceux qui étaient au premier et au deuxième culte, je n'ai pas souligné ça très bien. Mais au troisième culte, j'ai souligné ça. Je parlais de la victoire de Moïse. Moïse est mis à cause. Son ministère est secoué. On lui dit, Moïse, wanamwambia Musa, est-ce que tu as Dieu? Je una Mungu? Voilà que nous n'avons pas d'eau. Tazama hatuna maji. Ces gens ont carrément oublié qu'ils sont en train de manger chaque jour. Na watu wamesahau ya kwamba kila siku wanakula. Mais leur problème c'est le présent, c'est le besoin qui presse. Lakini shida yao ni wakati wa sasa, hitaji wanayo. Et Moïse va vers le Seigneur pour dire, Seigneur, ces gens ils me dérangent. Na Musa nenda mbele ya Mungu anasema, Bwana, hao watu wananisumbua. Dieu dit, va parler au rocher. Na Mungu anamwambia, wende kaongee na mwamba. Et Moïse
à cause de la colère, na Musa sababu ya kasirani, il n'a pas été en mesure de parler au rocher. Hakuwa na uwezo wa kuongea na mwamba. Il a frappé le rocher. Lakini akaupiga mwamba. La Bible souligne il a frappé deux fois. Na Biblia inasema akapiga mara pili. Le temps nous manque d'expliquer cela. Muda tunakosa ili kwamba tufasirie hiyo. Mais voyez-vous, lakini ona, l'eau est sortie. Maji ilitoka. Et quand l'eau est sortie, na wakati maji ilitoka, Dieu vient. Mungu wanakuja. Les gens étaient en train de boire. Watu walikuwa wanakunywa. Certainement, d'autres disaient Moïse c'est l'homme de feu, c'est l'homme de Dieu. Hakika watu walisema Musa. Les résultats sont là. Mungu na matokeo yako. Nous sommes en train de boire. Tuko tunakunywa. Et dans le coin. Lakini hapo pembeni. De seul à seul avec Dieu. Ya nafasi ambapo iko yeye mwenyewe na Mungu. Dieu dit à Moïse. Mungu anamwambia Musa. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini imepitikana? J'estime que Moïse peut commencer à expliquer. Nikiwasa Musa naweza anza kufasiria. Oh non. Sunaona. Le peuple est maintenant calme. Ah, watu wananyamaza sasa. Sont en train de boire. Wako wanakunyamaza. C'est bon. Ni vizuri. Dieu lui dit. Mungu anamwambia. Pourtant, ijapokuwa, tu n'entreras plus à Canaan. Hautaingia tena Kanana. Ah. Je viens de faire un exploit. Nimefanya mastaajabu. Et là Dieu me dit tu ne vas pas entrer. Na pa Mungu ananiambia hautaingia. Voyez-vous? Je mnaona. Les résultats ne comptent pas devant Dieu. Sio matokeo ndio nayokuona samani. Mais la méthode compte aussi. Lakini mbinu uliyotumia kwa kupata matokeo. L'énergie qu'on a utilisée compte. Nguvu uliyoitumia nayo ina samani. Aujourd'hui, il y a une confusion sur l'onction. Leo kuna mchanganyiko juu ya upako. Parfois, il y a des manifestations. Tu dis bon, est-ce que c'est toujours Dieu? Mara kuna ufunuo vitu vinaonekana unajiuliza je ni Mungu tu? Mais ça ressemble à l'onction. Lakini inafanana upako. Je voudrais que Dieu élève notre niveau de discernement. Ningependa Mungu ainue. Ma prière ce soir, c'est que Dieu nous donne aussi le discernement. Ombi langu jioni leo ni kwamba Mungu atupatie kupambana. Le monde est souillé aujourd'hui. Ulimwengu unachafuka leo. On parle de l'onction partout. Wanaongelea upako mahali pote. Mais où est l'onction authentique? Lakini upako wa kweli uko wapi? On en a besoin. Tunauhitaji. Le premier sacrificateur, kuhani wa kwanza, le fils de Aaron, wana wa Haruni, ils étaient oints. Walipakwa mafuta. Levitique 10, le premier verset. Ndani ya kitabu cha Walawi 10. Ce sont le premier sacrificateur qui ont reçu l'onction. Wana wa kwanza waliopokea upako. C'était une grande cérémonie. Na ilikuwa ni sherehe kubwa. Et Dieu, il a allumé le feu dans le sacerdoce. Na Mungu kawasha moto ndani ya hema la kusanyiko. Là où on devait faire le sacrifice. Mahali ambapo ungepaswa kufanyia sadaka. Il y avait un feu permanent. Kulikuwa moto unayowaka kila mara. Il y avait un feu que Dieu lui-même avait allumé. Kulikuwa moto ambao Mungu yeye mwenyewe kawasha. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Na sijui nini lipitikana. C'est pas ils ont oublié de mettre d'entretenir le feu parce que c'était le rôle de sacrificateur. Sijui kama walisahau kushughulikia moto sababu. Et quand le feu s'est éteint, le temps d'offrir était arrivé. La Bible dit que les deux fils d'Aaron, ils sont partis prendre le feu en dehors. Et ils ont amené le feu dans les sacerdoces. Ça s'appelle le feu étranger. Ça s'appelle le feu étranger. Ma prière, c'est que Dieu arrête le feu étranger à l'arche. Il y a certains parlés à langue qui ne sont pas de Dieu. Ce soir, nous voulons que ça s'arrête. On a besoin de quelque chose d'authentique. Le monde attend la manifestation de fils de Dieu. Pas la piraterie. Pas le feu étranger. Les églises sont en train de se multiplier. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle théologie. Leo wanazungumzia teolojia mpya. Du nouvel âge. Wanazungumzia mwaka mpya. Dans cette théologie nouvelle, ndani ya teolojia hii, il y a une réalité. Kuna ukweli moja. Où la science, ambapo elimu, est en train de remplacer la parole de Dieu. Iko na gomboa neno la Mungu.
Vous savez, la parole de Dieu n'est pas puissante par le mouvement du pasteur. La parole de Dieu n'est pas puissante par l'habillement du pasteur. La puissance de la parole de Dieu n'est pas extérieure à la parole de Dieu. Elle est dans la parole de Dieu. La parole, elle est efficace. En dehors même de celui qui l'annonce. Voyez-vous, je suis certain que Jonas ne pouvait pas vraiment annoncer bien l'évangile. Il était contre les Ninivites. Et il passe en train de dire, dans 40 jours, cette ville sera détruite. Il est possible qu'il ne le dit pas avec beaucoup d'assistance parce qu'il veut qu'il soit détruit. Mais parce que c'est la parole de Dieu. La Bible dit, la nouvelle est allée jusque chez le roi. Et toute la ville est entrée dans la repentance. Aujourd'hui, il y a des manipulations. L'église n'est pas un endroit où on vient vous chatouiller. L'église n'est pas un endroit où on essaye de remontrer votre morale par des méthodes psychologiques. L'église, c'est la maison de la parole de Dieu. Cette parole qui a été au commencement, cette parole qui était avec Dieu, cette parole qui a tout créé. Et la Bible déclare que de tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans elle. Dans cette parole était la vie. Non seulement la parole était la vie, mais cette parole était la lumière. Quand la parole de Dieu est authentique, elle ouvre l'esprit de l'homme. Je peux vous manipuler. Et vous pouvez sentir comme si Dieu était là. Mais plaise à Dieu de nous donner une onction authentique qui n'a pas besoin des émotions. Le feu étranger, c'est l'onction étrangère. Je veux que Dieu nous donne la dimension voici où la louange n'est pas bon parce qu'on a déjà des instruments qui coûtent cher. Quand on fait la chouine, vous sentez que même si vous êtes distrait, ça vous réveille. Je ne parle pas de l'onction de ces instruments qui coûtent cher. Je parle de cette onction qui a existé dans les chambres de prière sans tam-tam, sans musique, où tu vois quelqu'un danser. Vous sentez la joie de l'Éternel. Vous savez, il y a des moments où nous confondons l'onction avec les bons instruments. Faites tout pour aller au-delà de l'équipement. C'est l'onction authentique. Je refuse l'onction de l'emplacement. Je ne veux pas que les gens viennent à l'arche parce que c'est un beau cadre. Parce que tout le monde peut venir. Quand il se met à genoux, il n'est pas sali. Il s'assoit confortablement. Ça, ça peut être de l'onction étrangère. Je parle de cette grâce. Quelqu'un peut dire, je me suis assis sur la chaise, je sentis qu'il y avait du feu. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 10, il dit, j'accomplis les œuvres de Dieu. Il dit, non pas moi, mais la grâce
de Dieu en moi. Lakini neema ya Mungu ndani mwangu. Il est temps que nous nous puissions disparaître. Ni wakati sisi tutoweke. Mais que ce soit l'onction de Dieu qui opère. Lakini iwe upako wa Mungu ndio unatumika. Nous ne pouvons pas avoir une vie qui compte devant Dieu. Hatuwezi kuwa na maisha yenye thamani mbele za Mungu. Si les équipements que nous avons ne sont pas de Dieu. Kama vyombo tunavyo, vifaa tunavyo haviko vya Mungu. Et je dis à quelqu'un, si tu es en train d'essayer d'utiliser ta propre force, cela ne peut pas glorifier le Seigneur. Je veux qu'elle le dise dans ta vie. Je veux qu'elle s'arrête dans la vie des Narchois ou des Narchoises. Et qu'elle le dise. Ça, c'est le doigt de l'Éternel. À d'autres termes, ça, ce n'est pas les résultats des études. Ça, ce n'est pas les résultats d'avoir été citadin. Ça, c'est les résultats d'une onction authentique. J'ai rencontré des Kinois. Ils viennent à la capitale. Vous savez, il y a l'esprit de la capitale. Celui qui est au village, il est toujours en train de trembler, même quand il n'y a rien. Quoi. Les villes élèvent le niveau d'un homme. J'ai vu des Kinois, ils ont développé l'assurance. Quand il arrive à Goma, il sait d'abord que vous êtes à la province, lui vient de la ville. Et cette assurance peut ressembler à l'onction. N'est-ce pas, Léandre? Je parle de l'onction authentique. Je veux que l'on cesse de suivre mon message par rapport aux Français. Mais que cela dégage de l'huile fraîche. Vous savez, tout celui qui a fait le TFC mémoire, celui qui a fait une bonne pédagogie, il sait comment une leçon doit se suivre. C'est la même chose à la prédication. Vous pouvez prêcher très bien avec votre pédagogie. Mais je veux une onction au-delà de ça. Dieu utilise tout ce qu'il nous a donné. Mais nous allons comprendre que tout ce que Dieu nous a donné naturellement doit passer par le processus onctionnel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je prie que quelqu'un renonce à tous les efforts humains. Je prie qu'un prédicateur renonce à être écouté parce que tu es de telle tribu. Combien on a vu des églises quand les pasteurs il est dit Kasai, les Kasaïens sont confortables. Quand l'église appartient à un Mushi, les Shi sont confortables. Quand l'église appartient à un Nande, ils sont confortables. Ça c'est encore de l'onction tribale. Je parle d'une onction authentique qui ne porte pas le nom d'une tribu. Je parle d'une onction authentique. Quand cette onction arrive, ceux qui sont intelligents sont au leur part. On leur parle. Ceux qui n'ont pas étudié, on leur parle. Cette onction qui efface les appartenances. Cette onction qui efface les provenances. L'onction qui ramène les hommes à Golgotha. Je veux que tu vives de miracles. Où les hommes disent, ça, ce n'est pas le résultat des études. Ça, ce n'est pas le résultat d'avoir traversé beaucoup de villes. Mais c'est le résultat de l'onction de Dieu, de la dotation divine. Voyez-vous, si je commence à vous dire, en fait, je viens fraîchement du Canada. Et quand j'étais dans l'avion, je devais descendre sur Londres. Et de là, je devais passer un peu par Dubaï. Vous sentez déjà que vous me respectez, non? Et vous pouvez confondre l'onction à tous ces respects-là. Je veux que Dieu élève des hommes à l'as. Donc l'onction n'est pas dans les habillements. Je veux que Dieu élève des gens baptistes qui avaient
mangeaient les peaux des animaux, qui mangeaient mal et qui exerçaient leur ministère dans les déserts. Mais le pharisien venait, le militaire venait, tout le monde, parce qu'il y avait une onction authentique. Je prie que Dieu nous donne encore un cadre plus meilleur. Mais je refuse que les gens viennent à l'arche parce qu'il y a de la bonne décoration. Mais parce qu'il y a la dotation divine. Je veux que les gens cessent de te respecter parce que tu as beaucoup de bijoux en or, parce que tu as un véhicule qui terrorise. J'étais à Kine, un pasteur m'a transporté dans un véhicule. Il dit ça, j'ai acheté à 60 000 et il était encore locataire. L'église est encore dans des conditions terribles. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Il dit, non, il faut des choses de qualité. Quand je passe, on me respecte. C'est ça l'onction que vous voulez? C'est tout à quoi va Moïse. Nous serons de voleurs ici. Nous voulons l'onction. Tu n'as pas dit upako. Authentique. Dis à celui qui est à côté de toi. L'onction authentique. Upako wakweli. Cette onction va attirer les choses de valeur. Ce n'est pas les choses de valeur qui nous font respecter. Mais c'est la chose de Dieu qui nous fait respecter. C'est la chose de Dieu qui attire les choses de valeur. Parce que la Bible dit, celui qui est habile dans son travail, il habite à côté de roi. Quand vous avez une onction royale, cette onction vous fera quitter la brousse. Je vous parle d'une onction qui trace le chemin. Je vous parle d'une onction qui se débrouille. Je vous parle d'une onction qui se débrouille. Je vous parle d'une onction qui fait accomplir les promesses. Je me retrouve à Nairobi pendant que je faisais la théologie. Je suis dans une église qui n'avait pas plus de 50 personnes. J'étais encore très pauvre en anglais. Et bon, il fallait quand même une église où j'ai quand même l'opportunité d'avoir le français un peu. Je me souviens un vendredi. On était dans une prière. Il n'y avait pas 8 personnes. Il y avait un couple qui avait un problème. Et pendant qu'on priait, cette onction authentique est descendue. Il y avait un papa qui avait une femme du Sénégal. Quand il a vu ça, c'est papa qui va aller témoigner dans son église au Sénégal. Et c'est comme ça qu'on m'a appelé pour un séminaire au Sénégal. L'onction accomplit les promesses. De nulle part. Vous n'avez pas besoin d'être dans un beau lieu. On a vu des gens se cramponner pour faire l'apparence. Bien aimé, je suis en train d'aller peut-être à l'encontre de ces choses. Et je veux révolutionner quelqu'un. Cherche l'authenticité. Ne bâtis pas trop dans les apparences. Fais en sorte que celui qui t'a négligé d'apparence, quand il te découvre, il te respecte. Mais il ne faut pas faire l'erreur de paraître grand. Et quand on te rencontre, on dit que c'est une souris. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi onction authentique.
Il y a la mort dans les sacerdoces. Kuna kifo ndani ya il y a la mort dans l'église. Kuna kifo ndani ya kanisa. Il y a la mort dans nos familles. Kuna kifo ndani ya jamaa. Parce qu'il n'y a pas d'authenticité. Sababu hakuna ukweli. Que des mariages qui se sont écroulés. Ndoa ngapi zimeanguka. Parce que c'est bâti sur l'apparence. Sababu zimejengwa juu ya vinavyoonekana. Que des relations qui se sont écroulées. Mahusiano ngapi zimevunjika. Parce que bâti sur le mensonge. Sababu zimejengwa juu ya uongo. Et cela ne doit pas nous rattraper dans l'œuvre de Dieu. Ndani ya kazi ya Mungu. Loin de nous. Mbali nasi. D'opérer avec nos propres moyens. Kutumika na nguvu zetu sisi wenyewe. J'ai vu au Kenya un pasteur. Kenya niliona mchungaji moja. Il est vraiment stratège. Kabisa na mbinu nyingi. Vous savez, il y a une différence entre l'onction et l'olocacité. Unajua kuna utofauti kati ya upako na kusema vizuri. Moïse ne savait pas parler. Musa kujua kusema. Je suis en train de voir Moïse. Niko naona Musa. En train de dire. Soyez. À silence. Mukoe kimya. Car le Seigneur combattra pour vous. Bwana atapigana kwa ajili yenu. Mais quand son bâton frappe l'eau. Lakini fimbo kinapopiga maji. Ha, maji nagawanyika. Vous pouvez venir. Soyez calme. Unaweza kumwambia le Seigneur est ici. Ni Bwana yuko mahali hapa. Mai haikujua. Lo ne te connais pas. C'est pas un problème de locacité. Haiko shida kuongea vizuri. Et avec celui qui est à côté de toi, reste, cherche l'authentique. Ambia na yuko pembeni yako, tafuta cha kweli. Tosha ile vitu yako ya kunani. Enlève ces pirateries là. J'ai développé une mauvaise habitude. Nilikuwa nimeshakuwa na zoezi mbaya. J'ai beaucoup grandi dans l'intercession, il y a pas beaucoup d'instruments quoi. Na nimekomaa sana kwa waombaji hakuna vyombo vya muziki sana. Mais en tout cas, je vais vous dire, c'est moi. Hein. Lakini nitawaambia mimi. Quand le modérateur commence. Wakati mu shuka chini, panda juu. Mwongozo wangu na shimama. Anaanza sema shuka chini, panda juu. Upako wangu na toka kabisa. Les choses la forcer. Ile vitu vya kukaza kaza. Soko zando kiter. Siemba Yesu. Kama huko mulozi, sema Yesu. Tout le monde est obligé de dire Yesu. Sasa kila mtu atasema Yesu. Sababu wanamwambia kama wewe hauko mulozi. Sokio lingi Yesu, loba amen. Kama unapenda Yesu, sema amen. Amen. Et puis on ajoute. Na kisha unaongeza. Ça c'est de la manipulation. Hii ni kutumikisha watu, kusukuma watu. Il faut un moment donné. Inomba wakati moja. Moyo Moyo nzambi wanyi mukalenga nzambi wanyi et les gens commencent à sortir. Watu tu vois un papa qui commence à descendre. Unaona baba anaanza kushuka yeye mwenyewe anashuka. Et il descend. Na anashuka kabisa. Shuka chini. Mwache ile vitu ya kumanipuler bado. Laisse ces choses de manipulation. C'est les choses authentiques. Tafuteni vitu. Huku tu vois un papa lui même commence à danser. Yeye mwenyewe anaanza kucheza. Anacheza, oh. Anacheza. Bon, alors je vous parle de ce prédicateur là. Sasa na wazungumzia mhubiri huyo. Il arrive à l'église. Anafika kanisani. Il dit n'est-ce pas? Anasema sio hivyo. Que Dieu dit. Mungu anasema. Que l'or et l'argent lui appartient. Ya kwamba fedha na dhahabu ni vyake. Si tu crois dis amen. Sema kama unaamini sema amen. Si tu crois mets toi debout. Kama unaamini simama. Alors les gens sont debout. Watu wanasimama. L'autre qui était distrait. Na ula aliyakuwa na zubaa. Mais les gens sont debout. Watu si wanasimama. Tu ne crois pas que Dieu a dit. Wao waamini ya kwamba Mungu ana pesa na dhahabu. Anasimama. Dit okay. Sasa est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de l'argent dans la poche? Je kuna mtu anakuwa na pesa mfukoni. La Bible dit. Biblia nasema. Confess. Kiri. C'est par la confession. Ni kupitia kukiri. Qu'on a le pouvoir. Ya kwamba unaweza. Parle à l'argent que tu as. Naambia pesa. Commence à dire à l'argent. Anza kuambia pesa. Que toi. Wewe tu appartiens à mon père. Wewe ni wa baba yangu. Tu ne peux pas me dominer. Hawezi kunitawala. Je suis plus que toi. Mimi ni zaidi yako. Tu dois te multiplier. Unapaswa kuzidishwa. Please entre dans le mouvement. Na kanisa na ndiye kila mtu ndani atoa. Il dit, prends ça. Anasema, prends le billet le plus grand. Tu crois, il dit à ce billet, je vais avoir autant de grands billets plus que toi. Et les gens commencent à parler à l'argent. Les gens sont à l'église. Il dit, non, non, jette cet argent par terre. Mets le pied. Commence à dire, toi, tu ne peux pas me dominer. Alors, toute l'église est là. Il dit avance avec ce billet là. Jette ça devant l'hôtel. Songa mbele pamoja na ile pesa. Tu fais mbele mazaba. On a ramassé tout cet argent. Mwisho ni kwamba walilogota ile pesa yote na ikaenda. Les gens ne savaient pas. On était en train de les mener dans un chemin. Wako wako na peleka tu ndani ya njia.
On ne parle pas de ça. On parle d'une église où on va parler des besoins de Dieu. On n'a pas excité les gens. On n'a pas terrorisé les gens. Les gens qui sont utiles à Dieu. Ils comprennent les besoins de Dieu. Ils opèrent sans manipulation. C'est de cette onction que je parle. Quand cette onction opère dans la maison, la manipulation n'a pas de place. J'aime le témoignage que nous venons de suivre. Non, tu n'as pas besoin que le pasteur voie ta dîme. Quand tu donnes ça, tu crois et tu vois Dieu. Ça, c'est une dimension de maturité. Amen. Amina. Troisième vérité. C'est que tout celui qui est utile à Dieu est dans une vie de combat spirituel. Parce que toute utilité à Dieu fait de toi un adversaire de Satan. Et quand tu es adversaire de Satan, tu as des combats. Et la Bible me dit, dans Psaume 5, le verset 15, il dit, ne touche pas à mes oints. Ne touche pas à mes oints. Tu ne peux pas aller t'aventurier à faire des choses dans le monde sans avoir l'onction. Parce que c'est l'onction qui te sécurise devant le Satan qui est contre tout ce qui fait le bien. Je voudrais m'arrêter là un peu parce qu'il y a quelqu'un qui doit être libéré ce soir par rapport à ce que je dis là. Tout ce que nous posons comme acte de bien attire une bataille spirituelle. Vita vya kiroho. Il y a ceux-là qui pensent que le combat spirituel commence quand on commence à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Kuna wale ambao wanafikiria kwamba vita vya kiroho vinaanza unaposema kwa chini. Et j'ai vu des gens qui disaient, moi je n'aime pas chasser les démons, je ne veux pas de problème avec les démons. Mimi sipendaki fukuza kabisa mapepo, sipendi shida na mapepo. Les démons ne fuient pas quand nous disons au nom de Jésus. Hapana, mapepo haikimbiaki unaposema kwa chini. Les démons fuient même quand nous disons Seigneur, tu es Dieu. Mapepo inakimbiaka hata tunaposema Bwana wewe ni Mungu. L'adoration chasse les diables. Maabudu inafukuza. Dès que tu adores Dieu, tu es ennemi de Satan. Dès que tu poses un acte bon, tu es ennemi de Satan. Alors que l'utilité à Dieu se résume à deux choses. C'est dans l'adoration parce que nous sommes créés pour adorer Dieu. Et c'est dans le service envers les hommes et envers la terre que Dieu a créée. Une vie qui compte devant le Seigneur, c'est une vie qui élève l'adoration à Dieu. Et c'est une vie qui a eu un impact sur la génération. Ni maisha ambayo inagusa kizazi chake. Alors écoutez. Sasa sikiliza. Le monde, ulimwengu est déjà entre les mains de Satan. Uko tayari mikononi mwa shetani. C'est pas moi qui l'ai dit. Sio mimi ninayesema. Jean l'a dit. Yohana anasema. C'est moi, Jean 5, et Jean 5, c'est pas moi, 20 ou 15. Il dit, le monde entier est sous la puissance de Satan. Biblia inasema ulimwengu mzima ni chini ya uwezo wa shetani. Jésus termine d'être baptisé. Yesu anamaliza tu kubatizwa. Et il va dans le désert. Na naenda ndani ya jangwa. La Bible dit pour être éprouvé. Na Biblia nasema ili kwamba apimwe, ajaribiwe. Et quand il arrive dans le désert, na napofika ndani ya jangwa, Satan lui dit, Shetani anamwambia, prosterne-toi. Uiname. Parce que sababu ces royaumes m'ont été donnés. Falme hizi mimi nimepewa. Ces royaumes m'appartiennent. Falme hizi ni zangu. À d'autres termes, vous ne pouvez pas mener une vie qui a essence dans le monde ici. Hawezi kuishi maisha iliyo na mafaa ndani ya ulimwengu. Si je ne vous vois pas à genoux devant moi. Kama siwaone mukinipigia magoti. C'est ce qu'on dit. Na ni hii ndio wanasema. Tu ne peux pas atteindre
atteindre une dimension financière. Hawezi kufikia kiwango cha pesa. Une dimension politique. Kiwango cha kisiasa. Une dimension, c'est pas moi, sociale. Kiwango cha kijamii. Si tu n'es pas dans les loges. Kama hauko ndani ya vyama. Si tu n'es pas dans la sorcellerie. Kama hauko ndani ya uchawi. Si tu n'es pas dans la magie. Kama hauko ndani ya ufumu. Et c'est arrivé même dans l'église. Na imefika hata na kanisani. Même quand un frère monte à dimension. Hata ndugu anapopanda ndani ya upako. Commence à dire, kuna wale ambao wanaanza, est-ce qu'il n'est pas occultiste? Je, yeye si msuda. Parce qu'en fait, nous tous, nous avons suivi la prédication du serpent. Sababu sote tumefuata mahubiri ya nyoka. Il nous a dit, ametuambia, que tout ce qui est grand, yote ambao ni kubwa, passe par l'adoration par moi, à moi. Kupitia kuniabudu mimi. Personne ne peut émerger dans le monde. Hakuna ambaye anaweza kuendelea duniani. S'il ne m'a pas adoré. Kama hakuniabudu. Par quoi? Kupitia nini? Qu'est-ce que signifie adorer le Satan? Shetani, c'est par le fétiche. Ni kupitia irizi. C'est par l'idolâtrie. Ni kupitia kuabudu. C'est par l'occultisme. Ni kupitia usuda. C'est par la méchanceté. Ni kupitia uovu. C'est par toutes ces méthodes. Ni kupitia mbinu hizo zote. De Satan. Za Shetani. Qu'on utilise pour avoir la richesse. Ambazo watu wanatumia ili wapate utajiri. Posez la question à ceux qui ont émergé financièrement. À un moment donné, on leur demande, c'est quoi ton secret? C'est-à-dire les hommes cessent de croire qu'on peut atteindre un niveau seulement avec les efforts naturels. Quand vous priez à l'école, les occultistes viennent. Tu as une étoile. Tu as besoin d'être encadré. Pour monter encore. Je me souviens d'un professeur qui pouvait dire dans l'auditoire, pour comprendre ce genre d'équation, il faut adhérer au loge. C'est au-delà des capacités naturelles. C'est ça l'enseignement qui est dans le milieu. Et il y en a ce soir ceux qui ont été à contact de ces enseignants. On vous a dit, vous ne pouvez pas prospérer sans faire ceci, sans avoir quelqu'un derrière vous, sans avoir un secret. Et ce secret n'est pas Dieu. C'est ce que Satan dit à Jésus. Il dit, tu vois le monde, tu vois les royaumes, tu vois les sommités, cela m'appartient. Si tu veux être dans les sommités, donne-moi les genoux. Chacun de nous est sollicité. Pasteur, laïque. Uwe mchungaji, uwe pauvre, riche. Uwe maskini, il arrive que le diable nous dise il faut m'adorer pour avoir ce que vous inafikia voulez. Shetana na kuambia uniabudu ili upate. Et d'autres ont sacrifié leurs enfants, leurs femmes. Wengine wametoa watoto wao, wake zao. D'autres sont même ici et ils ont des choses dans leurs hanches. Wengine wako hapa na wako na vitu ndani ya kiuno chao. D'autres sont ici, ils ont des livres. Wengine wako hapa wana vitabu. Doivent faire des récitations. Wakufanya marudilio. Ce sont des adorateurs de Satan. Wao ni waabudu wa Shetani. Ils croient que Dieu n'est pas capable de leur donner dans le monde sans passer par. Wanafikiria kwamba Mungu hana uwezo kuwapatia duniani bila kupitia kwa Shetani. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Napima kusema nini? Si le diable a dit ça à Jésus, kama Shetani alimwambia Yesu hivi, c'est que c'est vrai. Ni kusema ni kweli. Et il a dit ceci à ses disciples, à ses apôtres. Naliambia hivi wanafunzi wake. Il dit, je m'en vais au Père. Anasema nenda kwa baba. Mon Père est votre Père. Baba yangu ni baba yenu. Il dit, je sais. Anasema najua. Que le monde ne vous aimera pas. Ya kwamba dunia haitawapenda. Le monde ne vous facilitera pas les choses. Dunia haitawarahisishia mambo. Bien aimé, wapendwa, quelqu'un a dit, si les choses sont faciles pour vous, kama vitu ni vyepesi kwa ajili yako, si vous ne rencontrez pas d'opposition, kama wewe hukutani na upinzani, c'est que vous êtes avec Satan. Ni kama, ni kusema wewe uko pamoja na Shetani. Tous ceux qui sont avec Dieu rencontrent l'opposition. Kila mara wanakutana na Jésus a dit, Yesu kasema, le monde m'a haï. Ulimwengu umenichukia. Le monde va vous haïr. Ulimwengu utawachukia na nyinyi. Mais il dit restez dans le monde. C'est-à-dire nous sommes dans le monde pour nanko. Ni kusema tuko duniani kabisa ninko. Dis à celui qui est à côté de toi, je vais réussir pour nanko. Ambia na yuko pembeni yako nitafaulu kwa nko. Je vais faire des exploits pour nanko.
con. Parce qu'il n'est pas prévu que toi tu évolues. Il n'est pas prévu que l'arche évolue. Il n'est pas prévu que toi tu sois différent dans la famille. Il y a des lois généalogiques. Il y a des lois naturelles. Il y a des lois territoriales. Qui sont là jour et nuit. Pour maîtriser et contrôler les gens qui sont dans cet endroit. Tu ne peux pas sortir de cette situation. Sans la dotation spirituelle. Jésus a vu le diable. Il lui dit, je n'ai pas besoin d'aller dans les sommités par les genoux. Il dit, moi je dois adorer le seul vrai Dieu. Et la suite, la Bible dit, Jésus revêti de la puissance, rêvé du désert. Il va arriver à Galilée et sa renommée va se répandre. Et il peut dire, l'onction du Seigneur est sur moi. Dieu m'a pour libérer, pour guérir, pour sauver. Vous ne pouvez pas sauver. Vous ne pouvez pas être utile sans avoir fait face à Satan. Et vous ne le saurez pas avec votre licence. Satan se moque de nos études. Satan se moque de notre taille. Satan se moque de notre tribu. Il voit une seule chose. As-tu la parole à toi? Ou tu n'as pas la parole? As-tu l'onction de Dieu? Ou tu n'as pas l'onction de Dieu? La Bible n'a pas dit. Ne touchez pas à mes docteurs. La Bible n'a pas dit. Ne touchez pas aux milliardaires. La Bible n'a pas dit. Ne touchez pas aux honorables députés. La Bible n'a pas dit. Ne touchez pas aux sénateurs. Ne touchez pas aux présidents. La Bible a dit. Ne touchez pas. Amen. Ne touchez pas. Amen. Ouais. Ne touche pas. Amen. Ouais. Y a-t-il un ouais ce soir? C'est l'onction qui nous protège. C'est l'onction qui nous permet de défier Satan. De défier Satan. C'est l'onction. C'est le surnaturel. Nous avons besoin d'un élément divin pour être utile. J'ai vu des gens qui ont été pauvres. Ils étaient riches, mais ils sont devenus pauvres parce qu'ils ont posé un bon acte. Ils ont donné à quelqu'un pour relever son niveau. Et depuis lors, le problème a commencé. Il y a des mendiants sur la route qui ne sont pas des pauvres, mais qui sont des agents du monde des ténèbres. Quand vous lui donnez l'argent, vous avez pitié de lui. Mais quand il prend votre argent, il travaille votre capital. Et vous perdez l'argent. Il y a des gens dans la famille. Il vient te demander quelque chose. Alors qu'il est sorcier. Il prend ce qui t'appartient pour t'appauvrir. Comment ça se fait? Même quand tu donnes, ton don peut te tuer. Si tu n'as pas une garantie spirituelle, cette garantie, je l'appelle l'onction divine. Je vous ai partagé l'histoire d'une fille.
qui était au Congo. Congo. Et il y a un homme qui priait Dieu. Qui était au niveau de l'Occident. Il était congolais, mais il était déjà là-bas beaucoup des années. Et il servait le Seigneur. La sœur aussi servait Dieu. Mais il y avait un sort dans sa famille. Il y avait un sort. Elle a eu le premier fiancé. Akapata mchumba wa kwanza. Tout s'est bien passé. Vitu vyote vikapitika le jour du mariage. Siku ya ndoa. Le matin, on a retrouvé l'homme mort dans les lits. Asubuhi wakamkuta mume amekufa ndani ya kitanda chake. C'était difficile. Ilikuwa ni vigumu. On a pleuré. Watu wakalia. Le deuil s'est passé. Kilio kikapita. La sœur s'est rétablie. Dada elle a continué à servir. Akaendelea kumtumikia Mungu. Et Dieu a envoyé un autre monsieur. Na Mungu c'était une jolie sœur, elle était jolie. Alikuwa ni dada mrembo kabisa, alikuwa mrembo. Le deuxième est venu. Mume wake pili akamfu. Il l'a marié. Akafunga ndoa. C'était juste un mauvais sort. Bon, c'était bala tout ça. Ilikuwa tu mkoshi. Je te prends. Ninakuchukua. OK. C'est la seconde chance. OK, bahati njema. Le jour du mariage. Ndoa nzuri. Comme la même circonstance. Hivyo, hivyo. Le monsieur meurt. Siku ya ndoa, ule bwana akakufa. C'est allé jusqu'à trois maris. Na ikaenda hadi mume watatu. Et toute l'église savait que cette femme est sorcière. Na kila kanisa ilijua kwamba mwanamke huyu ni mlozi, mchawi. Elle tue les hommes. Anawauaka wanaume. Et c'était passé. Na ikapita. Elle ne pouvait plus servir. Mais je ne sais pas par quelle énergie cette fille est restée dans l'église. Elle était au fond de l'église. Et je vois les intercesseurs en train de la voir. Et la pauvre était là, innocente, elle ne savait pas. Ule dada, et Dieu parle à l'homme qui est en Occident, il dit, ta femme se trouve au Congo. Ulaya, il vient, wako iko Congo. Dieu lui a donné tellement de directives et de détails. Mungu akampatia kabisa il arrive à l'église de cette sœur. Nakafika kwa kanisa la ule dada. Il dit au pasteur, nambia mchungaji, Dieu m'a dit que ma femme est ici. Mungu ameniambia mke wangu iko hapa. Dieu m'a donné même son nom. Na Mungu amenipa hata jina lake. D'abord le pasteur, quand il a appris qu'il vient de l'Occident, mchungaji alipoelewa kwamba wow, moi-même Dieu m'avait déjà parlé. Anasema mimi mwenyewe Mungu alikuwa ameshaongea na mimi. Il dit non, je vais avoir maintenant un gendre qui vient de l'Occident. Anasema sasa nitakuwa na mtoto ambaye ametokea hata wao mtoto wangu ambaye ametokea Ulaya. Quels sont les détails que Dieu sasa Mungu amekuambia nini nyingine kwa mafasirio? Mais Dieu m'a dit que son nom c'est Mungu ameniambia jina lake ni pasteur est choqué. Mchungaji anatetemeka. C'est non. Il dit bon, je vais entrer à l'église, je vais la retrouver parce que son image est claire dans mon esprit. Anasema nitaingia kanisa nita muona sababu niko na picha yake. Anasema nimemuona ni yeye. Pasteur dit mchungaji amwambia ha. La mort peut te faire quitter l'Occident. Kifo naweza kukuondoa Ulaya mpaka hapa. Il dit hauna bahati. T'as pas si de chance. Qui est mal chassard, c'est toi. Kama kuna mtu ambaye hana bahati ni wewe. Tu dois avoir des liens de famille terribles. Unapaswa kuwa na vifungo vya jamaa. Moi, je suis un oin de Dieu. Ule mtu anamwambia mimi ni mpakaliwa Mungu. J'ai pris suffisamment du temps pour prier. Nimechukua muda wa kutosha kwa ajili ya kuomba juu ya hiyo. Ne touche pas à mes oins. Msiguse upakaliwa mafuta wangu. Et quand il a fait le mariage, tout le monde était froid. Na kila alipofanya ndoa kila mtu alikuwa kabisa baridi. Hata wazazi wanasema, est-ce que tu ne peux pas donner la dot même aller d'abord avec elle? Je hawezi pana hata mali nyuma uende kwanza naye. Tunawaruhusu. Vous allez amener la dot après. Utaleta hata mali nyuma. Les parents savent, wanaona tu yanakufa. Wazazi wanajua wanasema, ah, hivyo mbona kazana? Mais lui kabisa, il est tellement déterminé. Celui qui meurt là, il n'écoute pas de conseils. Anasema undugu. Mtu ambaye anatafuta kufa sikia yake mashauri. Voyez mariage où la chorale est en train de chanter. Unaona ndo ambaye. Sikia pa donction. Kukwaya naimba kuna upako. Oh libala. Libala eh. Utakanazame. Nini napitikana? Et puis le soir. Jioni. L'homme là. Ule mtu, ule mume. Mbele yote. Prince sota. Anachukua ndo. Parle en esprit. Anaongea kwa roho. Parle en esprit. Anaongea kwa roho. Dieu lui dit. Mungu anamwambia. Tu ne dors pas sur ce lit. Hautalala kwa ile kitanda. Rest. Baprie. Ndani ya maombi. Et cet esprit de la famille est venu. Na ile roho ya jamaa kuja. La mariée pouf, sommeil brisque.
Et l'homme était en train de prier. Dieu lui dit, ouvre les yeux. Regarde. Il voit la femme en train de commencer à bouger dans les. Ouvre la bouche. Il voit un serpent qui est en train de chercher quelqu'un sur les lits. C'est ce qui tue les hommes. Alors toi, tu peux tuer ça. Il a cherché quelque chose. Il a tué les serpents. Il a réveillé la femme. Il a dit, voilà ce qui a tué les hommes pendant tout ça. C'était en toi. Si tu n'as pas l'onction de Dieu, tu vas mourir dans le piège. Si tu n'as pas l'onction de Dieu, tu voyages avec Jonas. Tu vas jeter ta marchandise dans les lacs. Combien d'hommes et de femmes ne sont pas sécurisés? Bien aimé, la sécurité de l'église n'est pas dans les comptes bancaires. La sécurité de l'église n'est pas dans la beauté du bâtiment. La sécurité de l'église est dans le Saint-Esprit, dans sa dimension onctionnelle. La sécurité des chrétiens, c'est dans l'onction. Tu ne peux pas être utile et à Dieu et aux hommes sans l'onction de Dieu. Il faut de l'onction parce que chaque geste que tu portes, si tu n'es pas du diable, c'est une délivrance. Chaque action que tu poses en tant qu'enfant de Dieu pour quelqu'un, c'est une délivrance. Ton mariage doit avoir une dimension de délivrance. Laisse que Dieu élève des archois qui sont riches. Si tu donnes à quelqu'un ton argent, ça peut l'enrichir. Mais pas cela que l'argent de l'ennemi est en train de venir tuer ce que nous avons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi parler de quelques dimensions de l'onction. La Bible dit Jésus. Bible nasema Yesu. Premièrement, ya kwanza, il va être baptisé. Atabatizwa. Ça, c'est l'obéissance à Dieu. Hii ni kumtii Mungu. Parce que l'onction, c'est une affaire désobéissante. Sababu upako ni kitu cha watu ambao ni watiivu. Jésus obéit. Yesu anatii. Il se fait baptiser. Anabatizwa. Il suit l'orientation de Dieu. Anafuata mwelekeo wa Mungu. Il est baptisé. Anabatizwa. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? La Bible dit il y a eu une colombe. Biblia nasema kuna fika njiwa. Qui vient se reposer sur son épaule. Ambao na ikaa kwenye bega lake. C'est fini. On n'a pas dit comment cette colombe s'est comportée après. Hawakusema namna gani ile njiwa ilifanya baadaye. Est-ce que la colombe s'est envolée? Je iliruka. Est-ce que la colombe a disparu? Jeli toweka. Est-ce que la colombe s'est incorporée dans son corps? Jeli jingiza mwilini mwake. La Bible est restée calme ou sourd à ce moment. Biblia imebaki kimya juu ya hiyo na ikusema chochote. Mais ce qui a suivi, lakini iliyofuata, c'était que Jésus était rempli. Ni kwamba Yesu alijazwa. Et quand Jésus est rempli, Yesu anajazwa, il va dans le désert, anaenda ndani ya jangwa, il combat le diable, anampiganisha shetani, il résiste le diable. Anapingana na shetani. Ça, c'est la deuxième dimension. Hii ni kiwango cha pili. Où on a eu la colombe comme réception. Ambapo umepata njiwa kama vile kupokea Roho Mtakatifu. La deuxième dimension, on est rempli du Saint-Esprit. Kiwango cha pili unajazwa na Roho Mtakatifu. Et c'est là qu'on peut résister au diable. Na hapo ndipo unaweza shindana na shetani. On n'est pas fort parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. Hauna nguvu sababu umepokea Roho Mtakatifu. Quand nous recevons Jésus, unapompokea Yesu, nous recevons le Saint-Esprit. Unapokea Roho Mtakatifu. Il a dit moi et le Père. Amesema mimi nous allons habiter en vous avec le Saint-Esprit. Quand quelqu'un dit je reçois Jésus, mtu anaposema nampokea Yesu, il reçoit le Saint-Esprit. Anampokea Roho Mtakatifu. Mais le Saint-Esprit peut être bébé dans l'homme. Lakini Roho Mtakatifu muniruhusu kusema hivi anaweza kuwa mtoto mchanga ndani ya maisha yangu. Parce que Jésus, l'apôtre Paul dit ceci. Sababu mtume Paulo anasema, il dit je prie pour vous. Pour que vous ayez la connaissance jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il attend un processus de croissance de la divinité en nous.
Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu mrudilie Mungu. C'est là même qu'on parle d'autres dimensions d'oppression. Na hapa ndipo wanazungumzia viwango vingine vya kukandamizo wa kiroho. Unaweza kuwa mkristo. Vous avez des cauchemars. Lakini unakuwa na ndoto mbaya. Vous avez bien cru à Jésus. Umemwamini vizuri Yesu. Et vous avez des pollutions nocturnes. Na unakuwa kabisa na ndoto mbaya usiku. Vous avez des difficultés. Unakuwa na ugumu. Vous avez des oppressions sataniques. Unakuwa unagandamizwa na mapepo. Parce que recevoir Jésus. Sababu kumpokea Yesu. C'est une garantie pour aller au ciel. Ni uhakika kwa kwenda mbinguni. C'est une garantie pour être enfant de Dieu. Ni uhakika kuwa mtoto wa Mungu. Mais la résistance à l'homme qu'on appelle Satan. Lakini kushindana, kupingana na mwanadamu. Si nous lisons la Bible de manière diachronique. Kama tunafuata tunasoma nous allons comprendre c'est au niveau de la plénitude du Saint-Esprit que Jésus fait face à Satan. Ça c'est la bataille personnelle. Mais pour entrer dans la dimension de sa mission, en d'autres termes, pour accéder à la dimension d'être utile à Dieu. Parce que vous savez, il y a des onctions qui sont utiles à moi-même. Ça s'appelle onction de la protection personnelle. Mais il y a l'onction qui quitte l'homme qui déborde. Les hommes qui comptent pour Dieu, ce sont des hommes qui, au-delà d'avoir reçu Jésus, au-delà d'avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais la mission, l'impact, commence quand il y a le débordement onctionnel. Quand je parle du débordement onctionnel, je ne parle pas d'un parler à langue. Non. Il faut que l'onction déborde. Et c'est ce qu'on appelle onction qui déborde. On appelle onction en fait. Je veux dire l'esprit qui déborde. Parce qu'il faut différencier l'esprit et l'onction. L'onction, c'est la manifestation de l'esprit. Donc, on n'a pas besoin de demander l'onction à Dieu. On a besoin de demander l'esprit de Dieu. C'est quand l'esprit déborde en nous, il se manifeste. Et nous parlons de l'onction. Et c'est à ce niveau. Là, que vous pouvez dire, l'Esprit de Dieu m'a oué. Pour. Mais quand vous êtes rempli, ça vous permet de garder votre salut. Ça vous permet de faire face aux tentations. Mais l'utilité missionnaire commence quand l'onction déborde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est passé par ces étapes. Yesu alipitia hatua hizi. Et il a été utile. Na alikuwa na mafaa. Sa vie a compté devant le Seigneur. Maisha yake alikuwa na mafaa. Sa vie n'a pas commencé à compter. Maisha yake haikuanza kuwa na mafaa. Quand il était baptisé. Wakati alibatizwa. Sa vie n'a pas commencé à compter. Maisha yake haikuanza kuwa na mafaa. Quand il a résisté Satan. Wakati alishindana. Sa vie a commencé à compter. Lakini maisha yake ilianza kuwa na mafaa. Quand il dit cette écriture. Wakati aliposema maandiko haya. C'est accompli aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur n'est plus à moi. L'Esprit du Seigneur ne me remplit pas. L'Esprit a débordé et je peux guérir les malades. Je peux restaurer ceux qui sont lépreux. Je peux proclamer la parole. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que tu peux offrir à Dieu une acclamation? La première dimension de l'onction, je vais appeler ça l'onction de transformation. Parce que l'homme qui n'est pas transformé, il a la nature adamique. Il ne peut pas résister à Satan. La Bible a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et il a dit au serpent, ta nourriture, c'est la poussière. À d'autres termes,
terme, quand l'homme retourne à la poussière, toi tu manges l'homme. De manière naturelle, l'homme est victime de Satan. L'homme appartient à Satan sans avoir péché. Quand l'homme est né, il ne fait pas un choix. Son maître s'appelle Satan. C'est quand l'onction arrive qu'il change. Je prie que Dieu libère l'onction de la transformation. Quand l'homme de Saül a été oint, Dieu dit à Saül, ou alors Samuel dit à Saül, je viens de te oindre, voici les signes qui vont t'accompagner. Mais à un moment donné, l'onction que tu as reçue va te changer à un autre homme. Les hommes qui vont avoir une vie qui compte, ce ne sont pas des gens qui sont nés valeureux. Les gens qui vont mener une vie qui compte, ce ne sont pas des gens qui naissent avec le sang noble. La Bible me dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est ça? C'est pas ça. Il a donné le pouvoir de devenir l'utilité à Dieu. C'est un processus de devenir. Tu n'as pas besoin de fixer tes origines. Tu n'as pas besoin de fixer ton école. Tu n'as pas besoin de te focaliser sur là où tu viens. Le pouvoir que Dieu donne, l'onction que Dieu donne le processus ou implique dans un processus de transformation. Tu es changé. Tu quittes la nature adamique. La nature victime à Satan. La nature qui a comme maître Satan. Et tu entres dans une autre dimension d'être dominateur. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà reçu Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui a reçu Jésus ici? Tu es un homme à devenir. Ne permets pas à quelqu'un de te réciter ton histoire. Ton avenir n'est pas ton histoire. Ton avenir est calculé par Dieu. Tu es dans un processus de devenir enfant de Dieu. Rahab la prostituée, quand elle a reçu le messager, les espions, on lui a demandé de lever le cordon rouge qui était le symbole du salut. Quand elle a élevé le cordon, elle est entrée dans un processus. Première étape, quand les autres mouraient, elle a quitté Jéricho. Elle est entrée dans la nation d'Israël. Deuxième étape, elle a été aimée par un juif. Troisième étape, elle est entrée dans la lignée de Jésus. Je dis à quelqu'un ce soir, l'onction te fait devenir. Je ne suis pas né riche, je ne suis pas né puissant, mais l'onction de Dieu à moi me fait entrer dans un processus qui me rend utile. Gloire soit rendue à notre Dieu. La première dimension, c'est la transformation de notre nature. La deuxième dimension, c'est la transformation de nos dotations naturelles. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse dit, j'ai une verge. La verge, c'était un bois naturel qu'il avait pour faire son travail. Mais Dieu dit, jette le bois là, par terre, je vais transformer ça. Quand Dieu transforme, ça devient un serpent. Il dit, prends encore. Ça devient un verge. Quand Moïse prend le verge, la Bible dit, c'était la verge de l'Éternel. Il faut que nos dotations naturelles soient divinisées. Quand tu as une intelligence naturelle, tu as besoin d'une onction fraîche
pour transformer ça en intelligence de Dieu. Ili kwamba ibadilike kuwa akili ya Mungu. Aaron avait son bâton. Haruni alikuwa na fimbo yake. Et tout le monde en avait parce que chaque leader devait en avoir. Na kila mtu alikuwa nayo sababu kila mwongozi angepaswa kuwa nayo. Lakini Mungu anamwambia. Pour arrêter la contestation. Ili hii kupingana mapingamizi ishe. Vos verges devant le Seigneur. Muweke fimbo zenu mbele za Bwana. Et il a transformé. Na yeye akabadilisha. La verge d'Aaron a été a fleuri. Na fimbo ya Haruni ka otamaua. C'est la transformation des dotations naturelles. Ni ile kubadilishwa kwa vifaa vya kimwili ama kawaida. Na Mungu anamwambia Gideon, avec cette force que tu as. Wende na nguvu unayo. Mais dès que le Seigneur vient de parler à Gédéon, lakini wakati Bwana anaongea na Gideon, ce n'est plus sa force. Haiko tena nguvu yake. C'est la force de l'Éternel. Bali ni nguvu ya Bwana. C'est pourquoi Dieu lui dit, na ndio maana Mungu anamwambia, tu n'as plus besoin d'une grande multitude. Hauna haja tena ya watu wengi. Peu de militaires, vous allez vaincre. Lakini maskari tu kidogo na mtashinda. Quand tes dotations naturelles connaissent une empreinte onctionnelle, wakati ile vifaa vyako vya kimwili inaguswa, ta vie commence à changer. Na chapa ya upako kwa maisha yako inaanza kubadilika. L'onction c'est ton identité. Upako ndio l'onction t'établit dans ta différence. Nous ne recevons pas la même onction. Il y avait en Israël l'onction royale, l'onction sacerdotale, l'onction prophétique et l'onction de l'épreuve. Quatre l'onctions. Et ça s'est résumé à deux. Il y avait l'onction pour établir, pour valoriser, pour protéger. Mais il y avait aussi l'onction pour restaurer celui qui était derrière le camp. Tu n'es pas dans la liste de ceux qui doivent réussir. Tu es dans la liste des interdits. Quand l'onction vient sur ta vie, on te ramène dans les camps des gens utiles. Je vois le Seigneur ramener quelqu'un dans les camps par la puissance onctionnelle. On ne pouvait pas mentionner ton nom, mais à cause de l'onction divine, tu peux accéder au camp. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons continuer demain. J'aimerais que nous puissions nous lever. Si tu as compris quelque chose, nous voulons prier pendant 5 minutes. Kama umeelewa kitu tutaomba kwa dakika 5. Demain, nous allons avoir assez de temps dans la prière. Na kesho tutakuwa na muda mwingi ndani ya maombi. Et demander l'onction de Dieu. Na kuomba upako wa Mungu. Et toi debout là où tu es. Simama mahali ulipo. J'avais une forte conviction à moi. Nilikuwa na uhakika mwingi ndani mwangu. De prier avec les intercesseurs ce soir. Ya kuomba pamoja na waombaji jioni ya leo. Est-ce que les intercesseurs sont là, je peux vous voir? Je waombaji wako naweza kuwaona? S'il vous plaît. Dans l'amour du Seigneur, avancez seulement ici. Kwa upendo Bwana musogee hapa mbele. Tutaomba tu kwa dakika mbili. Parce que ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a instruit. Maana hii ndio Roho Mtakatifu ameniambia. Vous avez besoin. Mnahitaji. D'une onction spéciale. Upako wa kipekee. Je voyais le Seigneur restaurer l'autorité des hommes et des femmes. Naona Mungu akirekebisha mamlaka ya wanaume na wanawake. Il y a des vies qui dépendent de vous. Kuna maisha ambayo yanahusika na nyinyi. Il y a des déclenchements qui ne viendront que par vous. Kuna mafunguo ambazo zitakuja kupitia nyinyi. Dieu vous a choisi pour prier. Mungu amewachagua kwa kuomba. Et de manière authentique. Na kikweli kweli. De manière puissante. Kwa uwezo. Et il y a autant de gens qui sont dans l'emprise de Satan. Watu wengi ambao wako chini ya ugandamizi. Ces hommes et ces femmes ont besoin des oints de l'Éternel. Wanahitaji upako wa Bwana. Et croyez-moi. Na mniamini. Plus l'église grandit. Zidi kanisa na koma. Vous faites face à des combats plus intenses. Mtakuwa mbele ya vita vingi. Alors que nous commençons à prier pour la nation, nous sommes en train d'entrer. Venez ici, il y a de la place ici, serrée ici. Il y a des forces plus élevées qui attaquent. L'onction n'est pas une gloire. L'onction, c'est une dotation. L'onction, ce n'est pas, comment je vais dire, ce n'est pas une montée ou une promotion. Upako haiko kupandishwa. L'onction c'est besoin pour le travail. Upako ni hitaji kwa ajili ya kazi. Alléluia. Amina. J'aimerais que nous puissions lever tous nos mains en haut. Ningependa sote tunyoshe mikono yetu juu. Et dire Seigneur. Na kusema Bwana. Nous avons besoin de cette onction qui protège. Tunahitaji upako unayolinda. Nous avons besoin de cette onction qui accomplit la mission. Tunahitaji upako huu unaotimiza kazi. Jusqu'à ce que nous soyons oints. Mpaka wakati tutapakwa. Nous ne pouvons pas accomplir la mission de Dieu. Kama hatujapakwa tuwezi timiza kazi ya Mungu. Jamais. Hatuwezi. La mission s'accomplit.
par la dotation de Dieu. J'aimerais que les intercesseurs disent, je ne veux pas accomplir ma mission avec mes propres capacités. Je vois des cas venir vers vous. Je me souviens un jour, on était dans une délivrance. On a prié pour un cas d'une femme qui passait des nuits dans les lacs. Le lendemain après la délivrance, nous tous on avait la diarrhée. Nous tous on avait des rêves terribles. Je voyais dans vos mains des souillures. Vous avez prié pour des gens qui sont venus juste prendre ce que vous aviez. C'est une chose de prier. Dieu dit, n'imposez pas les mains avec précipitation pour ne pas prendre part à ces souillures. Nous allons faire une courte prière pour dire, Seigneur, sanctifie les grâces dans l'équipe de prière. Protège les grâces authentiques parce qu'il y a ceux-là qui sont venus pour détruire les grâces authentiques. Je voyais des dons. Niliona karama. Des dons. Karama. Des cadeaux. Niliona zawadi. Qu'on donnait à des gens qui ont des grâces. Ambazo walipatia watu waliona pour les étouffer. Kwa chili ya kuwafunga. Et le Seigneur, il est le Dieu qui nous restaure. Nambuana, le Dieu, il aime cette mission. Mungu anatusaidia support mission hii. Et il accomplira sa mission avec ou sans nous. Na atatimiza kazi yake pamoja nasi ama bila sisi. Et personne na hakuna mtu n'arrêtera la mission de Dieu. Ambaye atasimamisha kazi ya Mungu. Tu peux commencer à prier. Unaweza anza kuomba. J'aimerais que voici nous dans les cantiques. Alléluia. Alléluia. Gloria, Rianta, la brosa, me.